nous à parler avec maître avec docteur Garnel Michel Baklakay qui a même fait sortir en note là pour regarder et comment est-ce que nous pas profiter de ça qui arrive à là pour nous retourner dans la production nationale là. Est-ce que décision ça pas aider nous ouais nécessité pour que nous remembrer production nationale là et dans notre ça Baklakay mettait dehors les dit peuple haïtien décidé prendre soin tête li à travers construction un canal dans rivière massacre là contre 11 dans bord dominicain peut-être ça président Abinader menacé pour à travers menacé non à travers la Mélie toutefois nous comptons en pile frontière ça au fermé puisque en pile contrebande à corruption c'est une parmi raison qui était empêché nos produits manger pour population hein. Cependant, nous voulons alerter la communauté internationale là, sous habitude de quelques gouvernements dominicains qui ont fait gros massacres déjà sous frontières. L'IO, tant qu'on dans l'année 1937, il a été tué 27 000 Haïtiens. Pendant, on a demandé tout Haïtien de mettre ensemble, on a fait combite pour construire la CAI, non. On a profité de déclarer Abinader persona non grata pour Haïti. On a commencé à appliquer troisième couplet hymne national, non, qui c'est, alors on a parlé de la dessalinienne. Mais c'était bon de parler avec Garnel Michel avant nous, à l'écouter déclaration de Mathieu. Docteur Garnel, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Ferdinand. Et bonjour à toute population haïtienne et merci pour l'opportunité ça et merci surtout parce que au niveau de Radio Caraïbes nous fait de travail ça de dossier ça et un canal de fierté et un canal de souveraineté et merci à mon Nordes mon Wanamet mon Ferrier qui baille opportunité pour que est capable de gagner un réveil national. Ça. Mm-hmm. Oui, donc vous pensez que ça qui a passé à là, peut-être qu'a servi non de booster pour que nous allions dans la production nationale là, ou bien pour les citoyens retourner la caillou? Bon, justement, et moi, ouais, que vous êtes prêt à lire le troisième couplet et hymne national, nous, hein, qui dit clairement, mm-hmm. force nous, c'est nous. Mm-hmm. Allô? Problème communication, on va essayer rétablir contact rapidement avec hein? Ouais, il y a 2 minutes avec la coupe. Oui, moi ça oui, comme si on parler et puis appelle la coupe carrément. Oui. Oui, docteur Garnel. Oui, faut nous planter, c'est clé ouzé. Femme con garçon, c'est dans la tête force nos chita. Moi, parce que le moment ça a montré nous clairement que nous devons retourner dans la paix. Nous devons retourner intéressés avec la CAI. Nous devons retourner investir la CAI. Nous, parce que je ne suis pas certain que nous avons toujours bienvenu dans la CAI voisin. Donc, dans ce sens, premièrement, je pense que nous devons considérer, et pendant toute semaine dans la Radio CAI, il fait ça, et puis l'autre radio qui fait ça, nous, techniquement, nous avons que nous avons droit, nous d'ailleurs, bon, l'Istindia, en République Dominicaine, en mai 2021, il a en grand titre, il a publié que République Dominicaine acceptait construction, reconnaître que construction qu'a fait dans le canal et rivière Massacre là, il respectait normes. C'est au même fait, c'est-à-dire que nous tenons dialogue avec eux. Ministre Affaires étrangères qui était signé déclaration ça, il toujours en fonction en République Dominicaine, il mm-hmm. pas démissionné. Donc, Yo connaît que le travail technique n'a fait. C'est-à-dire que la population doit comprendre. Nous devons renforcer la conviction nous, que ça n'a fait à nous un bon droit, nous, en plus que les bons lacs nous, nous pas violer qu'un traité. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, deuxième élément, c'est tout technicien dit dans la radio déjà, c'est-à-dire que par principe d'équité, nous sommes supposés même. Et construit autant de canaux, autant de prises qui gagnent en République Dominicaine. C'est ça qui fait que l'homme ou une note, et président Abinader qui dit que dialogue là a continué, le nous camper et construction. Donc, moi, ouais, c'est un bon bagage pour nous, puisque et nous t'as qu'à profiter, construire tout notre canal, et puis après ça, nous t'as reprendre le dialogue. Donc, moi, je pense que et ça qu'a fait là, il est supposé réveiller, non, il est supposé faire nous comprendre que
nous devons retourner dans la paix, nous devons retourner dans l'agriculture, tant que l'hymne national nous dit, tant que nous en fait nous, c'est au nom de nous que ça a fait. Nous voulons signaler tout que ça qu'on fait de l'autre côté. Et moi, hier soir, m'appelé un plus grand barrage électrique qui gagne en Afrique, c'est dans zone Éthiopie. Éthiopie qui représente ça, le représente Kounia. Là, on a construit barrage ça sur le Nil. Le Nil, c'est le deuxième plus grand fleuve dans le monde. Là, on a construit. Égypte est voué pied, Égypte est condamné. Égypte pas d'accord. D'ailleurs, et si c'est le moment pour nous parler de ça. Yo même pas de bon étude d'impact qui était faite. Yo considéré que même yo était violé des traités parce que des traités ça a été fait sous période de colonisation. Nous même nous pas violé traité. Eh ben, Éthiopie kounya, yo gagné plus grand barrage dans l'Afrique et Éthiopie représenté ça le représenter dans l'Afrique. Éthiopie pas voyer moun à négocier en Égypte, mais c'est Égyptien qui te voyait moun bin négocier. Ici, parce que yo te senti que et c'est un grand pas que l'Éthiopie te pral faire avec Baraï ça. Eh bien, Dominique comprenne que c'est un grand pas que nous pral faire avec construction canal ça yo. Donc, moi pense que moun ferrier, moun wanamet, baille nous le temps pour faire comprendre, faut que nous backlack à nous, gapi le moun qui commence à faire ça. Et je pense que c'est une belle occasion que Abinadel offre là, qui a fait une sorte de diplomatie salamine, puisque nous comptons ça salamine représenter, et nous voyons qui fréquence que Abinadel a fait avec Peppa Issa je dis là. Donc je pense que c'est l'occasion pour que nous comprenions, nous voyons nécessité pour nous retourner dans l'agriculture. Force nous, c'est l'allié. Force nous, c'est l'allié. Donc, citoyens, monde qui a moyen l'argent en main, c'est peut-être bon moment pour investir dans le secteur agricole, là, j'en souhaite préciser là tout. Mais l'État, tout, c'est peut-être un bon moment pour l'État agir dans ce sens-là. Oui, mais parce que vous avez raison, c'est pas seul rivière massacre qui gagne. Nous avons quantité d'autres rivières dans le pays, il faut que nous exploiter pour que nous fassions irrigation dans le pays, pour que nous soyons capables d'arroser. Et jardin et paysans aujourd'hui qui montrent nous que c'est vraie force pays là parce que dans pile intellectuel dans pile monde on senti ça pas trop intéressé au dossier ça mais paysans ont campé à souhait qu'on la journée il a surveillé et canal yo donc moi penser que même j'ai été fait en Éthiopie tout pour ca tout barrage ça t'est construit yo t'est prend l'argent l'état t'est prend l'argent sous employé l'état dans pays Éthiopie, moi pense que population haïtienne n'a pas je dis à la pour bay contribution. Donc l'état doit prendre question ça. Au moins nous t'a fait sentir que il y a fond travail. Moi pense que si on approprié de canal ça. Donc dans ce sens ça au niveau de Baklakay tout nous-mêmes et nous lancer n'a lancé et samedi prochain nous va lancer dans l'édition Baklakay là. N'a pas lancé et ils ont levé de fonds, mais c'est pas surtout pour le canal là, puisque le canal là, la construit quand même, pas de camper. Mais ouais, toute population dit ça, KPK, canal pas de camper. Donc nous-mêmes, nous prenons surtout et fonds cotisation, fonds levé de fonds, garder comment nous avons joué de moyens pour investir dans l'agriculture dans la zone là, parce que le canal là, fin fait, faut que nous jouions une semence, faut que nous rabourrions, faut que nous habitions. Et nous prenons descendre dans le nord-est pour nous accompagner les paysans. Yo, et que, tant qu'on a pile le monde contre lui, l'État n'a pas de responsabilité. Moi, je crois que la population, lui-même, joue au rôle. Donc, nous accompagner la population dans ce sens-là. Nous prenons essayer de collecter 2 500 000 gouttes. Et c'est ça, collecte de fonds noirs. Et nous prévoit pour que nous allons poter dans le nord-est et nous faisons juste ça. Nous avons commencé à ramasser depuis Konya, mais nous allons le déposer dans la période 2 au 8 octobre. C'est dans la période ça, en 1937. Et bon, massacre qui était fait. On dit que il y a quelques gouvernements dominicains qui ont l'habitude de ça. C'est pour ça Rivière a paré les massacres pour Grand Messie. Donc, il y a les massacres parce que bon, massacre qui était fait, c'est plus que 27 000 Haïtiens. Que ancien dictateur Trouillot t'es fait touiller dans zone ça. Donc moi pense que son menace et nous devons nous-mêmes haïtiens qui toujours fait solidarité internationale avec un pile peuple nous solliciter solidarité l'autre peuple parce que bon menace sous nous là nous-mêmes c'est des paysans avec vous avec c'est la terre n'a travail n'a canalise n'a pour un canal n'a fait son travail que l'état haïtien était commencé yo pas fini
Donc nous-mêmes n'a fait travail ça et puis nous le président dominicain l'immobiliser l'armée. L'immobiliser l'armée en l'air en terre l'armée sous la main pour venir mettre sous frontière, c'est-à-dire que l'a agacé nous pour ne pas faire violence. Donc nous pas faire violence, nous a continuer canalio comme dialogue la campé, comme yo campé dialogue là parce que Jean-Jean il sort de là pour le gouvernement dominicain. Le gouvernement haïtien, on bon coup, là, même ils montré que vous prêt pour dialogue. Même se ferme un dialogue là lui-même. Il ne dit pas d'un dialogue. Donc, comme pas d'un dialogue, nous concentrons-nous sur le travail canal. Et comme Dominique n'a pas de jambes pour les Haïtiens manger, il n'y a pas de jambes contre subvention de manger pour les Haïtiens. Les Haïtiens à Kobio, je ne sais pas si c'est Widlin Pierre qui a dit ça, les Haïtiens à Kobio qui te qu'on a l'acheté manger en République Dominicaine. Donc, lui mettre ferme les frontières. Les mecs qui aiment manger l'eau, nous-mêmes, nous allons concentrer nous pour cultiver la paix, nous allons concentrer nous pour nous planter, et c'est ça qui fait que, comme cotisation, nous avons investi dans la semence, nous avons investi dans l'agriculture, nous allons citer avec agronomie pour nous garder qui ça qui fait dans la zone ça, et donc vraiment, moi, je vais faire un problème là. Donc, nous allons mettre tête nous ensemble, nous allons continuer à mettre tête nous ensemble pour que nous retournions dans la paix. Jean Constitution nous te dit, Jean Hymne National nous dit, et Jean nous croit que ça doit faire. Force nous, c'est dans la terre, l'Ichita. Très bien. Merci un peu, le docteur Garnel, Michel. Donc, un gros mouvement combite, un gros mouvement solidarité pour au moins nous capables de lever Escamp Figuinon et remembrer production nationale là, à travers fréquence cité, ça, citoyens dominicains ont fait.